sont des pointes. Hein. Ok. Ouais. Alors, je... Et mais ça sert à quoi ? Rien à montrer que, avec simplement du relief, tu vois le visage. Voilà, on entend le cochon. Attends, tu m'expliques ce que c'est maintenant ? Tu vois un petit cochon ? Oui. Et en réalité, il n'est pas là. Je pense... Il n'est pas là. Si, il est là. Mais non, regarde. Mais si, il est encore là. Mais non. Ah oui, oui, d'accord. Il... Regarde, il n'est pas là. Oui, c'est une image, quoi. C'est une image. En réalité, il est là. Quelque chose. Non. Et là, l'image, oui, regarde dans l'autre sens. Oui. L'image est inversée. Ah oui, c'est quand vrai. Tu te regardes dans un miroir, tu te vois à l'envers. Oui. Voilà, oui. Ben c'est la même chose. Et en fin de compte, qu'est-ce que tu veux faire ici? Tu veux nous montrer que le cochon n'est pas là? Je te montre simplement une illusion. Voilà. Voilà. Et une illusion qui est provoquée par la courbe. Ces deux miroirs concaves. Voilà. C'est une illusion. Est-ce que tu as déjà vu Coca Mentos? On parle sur Internet de la réaction entre le Coca et le Mentos. T'as jamais vu? Je vais faire une brochette de bonbons Mentos. Donc je me suis amusé à faire des trous dans des Mentos, hein, voilà. À quoi est-ce qu'on passe son temps quand on est retraité, hein? Alors un bouchon troué. Alors oui. Un bouchon troué. Je vais enlever le bouchon ici et mettre celui-là à la place. En fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a aucune réaction chimique. Ce sont des micro-aspérités au niveau de la surface du Mentos qui concentrent des bulles, des toutes petites bulles de gaz carbonique. Mais des millions de petites bulles, ça fait une grosse bulle. Et cette grosse bulle, en montant dans la bouteille, oui, elle rencontre un goulot, donc un rétrécissement. Donc elle doit accélérer, elle doit aller de plus en plus vite. Et en allant de plus en plus vite, elle aspire les suivantes. Donc il y a un effet d'auto-entraînement. On fait ça dans un récipient droit, il ne se passe quasi rien. Ce que je fais ici, je montre ma passion, la chimie et la physique. Et comme j'étais prof et que j'adorais l'enseignement, ben j'essaie de passionner les jeunes aux sciences. C'est pour justifier votre pension, quoi. C'est... Mais comme il est, hein. Je retourne la bouteille. Oui. Et en fait, l'eau ne sait pas descendre parce que l'eau veut passer par le trou, mais l'air veut remonter par le même trou. Oui. Et donc, mais vous tenez votre doigt quelque part, il y a quelque chose que vous faites. Non, mais c'est pas ça. Rien du tout. Ah. Et donc, comme l'eau veut descendre, l'air veut monter, ça ne va pas. Mais maintenant, si je tourne un peu la bouteille, un petit mouvement de rotation. Alors, c'est étonnant. On crée une tornade. C'est vraiment le modèle d'une tornade. En fait, c'est l'inverse d'une tornade. Une tornade, c'est de l'eau dans l'air. Ici, c'est un trou d'air dans l'eau. Bon, mais c'est vraiment le même modèle. Et donc, l'eau descend le long du trou et l'air monte au milieu. Tu as droit à deux inspirations. Et tu gonfles ce que tu... Eh bien, je vais te montrer que, moi qui n'ai pas beaucoup de choses, on peut faire mieux sans aide. Génial. T'as vu ça? C'est du... Je sais pas. Ici, il n'y a aucun danger. Tant que c'est aéré, il n'y a pas de danger. Tu chauffes un métal à haute température, il perd son énergie sous forme de lumière. Spectaculaire, hein? Et chaque métal perd son énergie sous forme d'une lumière différente. Et ça, c'est un principe extraordinaire, parce que ça veut dire que tu regardes des étoiles qui sont des milliards, des milliards, des milliards de kilomètres, rien qu'en regardant leur lumière, on sait ce qu'il y a dedans.